Dans le cadre du concours d'habileté de la journée McDo Fan des Remparts du 1er février prochain au Colisée Pepsi, se déroulait aujourd'hui le repêchage afin de déterminer quelles équipes allaient s'affronter lors des différentes épreuves d'habileté. Pour l'occasion, Zachary Foucalé et Olivier Thibodeau d'un côté et Callum Booth et Olivier Garneau de l'autre agissaient à titre de capitaine. Anthony Duclair a été le tout premier joueur sélectionné, un choix qui a d'ailleurs fait l'unanimité. L'équipe Foucalé et Thibodeau a répliqué immédiatement en sélectionnant le défenseur de 19 ans, Ryan Graves. Au total, 25 joueurs ont été sélectionnés pour la compétition du 1er février prochain. Les deux gardiens de but capitaines semblaient d'ailleurs très satisfaits de la composition de leurs équipes. Absolument. On avait un plan, une liste, puis on l'a exécuté à perfection, puis on a prédit tous leurs choix aussi. Donc, je pense qu'on est en une très bonne position en rentrant dans cette compétition. Très content de mon équipe. Je pense qu'on a fait des très bons choix aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que l'autre équipe faisait. Je pense qu'ils dormaient là, parce que vraiment, je pense qu'on a pris tous les bons joueurs dans toutes les catégories. Donc, ça va même pas être proche dimanche. Donc, Anthony, tu as été choisi tout premier choix de ce repêchage. Ça doit être flatteur. Très flatteur. Je suis très honoré. Et puis, je pense que Booth a fait un très bon choix. Je pense que oui. Je pense que de début à fin, on a vraiment repêché très bon. Et puis, je pense qu'on est très confiant. En tant que dernier joueur choisi, Aaron Dutra prenait le tout avec un grain de sel et comptait bien causer la surprise lors de l'événement de dimanche. Oh yeah, it's a little tough, but you know, I got a brand new car out of it, and I'm hoping that'll be the steal of this year's draft. Yeah, I got this new BMW. Here we go. Voici donc vos équipes pour la journée McDo Fan des Remparts du 1er février prochain au Colisée Pepsi. On vous attend dès midi. C'est gratuit pour tous les fans des Remparts.